Bonjour à tous et à toutes, le salut et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, nous avons trouvé le véritable cambrioleur qui a volé ce qui avait été pris à Trout et qui avait fait accuser Butch un petit peu par hasard et par défaut. Nous l'avons ramené à Trout en lui disant oui, c'est lui le voleur. Sauf que Kilgore nous a demandé, oui, il faudrait que tu voles un autre truc, s'il te plaît, juste comme ça. Et nous avons accepté et avons trouvé que dans le manoir de Trout, eh bien, il y avait des voleurs, des personnes emprisonnées, la voleuse que nous avons retrouvée qui était emprisonnée, et découvert que Trout était en fait un monstre, comme nous avons pu en rencontrer avant. Nous l'avons battu, et pendant ce temps-là, dans un petit village un peu plus loin, d'où sont originaires Butch et Ryu, eh bien, ouais, a été attaqué. Nous sommes donc partis. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, problème de l'occasion FR, le level up. Normalement, Ekal doit avoir appris le sort téléportation. C'est pas le cas. Donc, j'ai un petit peu augmenté son niveau. J'ai acheté un petit peu d'équipement pour tout le monde. Voilà, voilà. Du coup, on va quand même avancer dans le jeu. Alors, je vise la carte une seconde. Donc, vous voyez quand même qu'on a fait tout un magnifique tour. Et on va aller un petit peu au sud parce que je vois... Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit... Il y a deux petits points bleu ciel. C'est très... C'est peu perceptible. Ah bah, génial. Oui, et j'ai pris Kat et Nina... Dans le doute, vraiment dans le doute. Stain et Butch ont été un peu uppés. D'ailleurs, Stain a pris un sort Flamme 2. Mais j'ai surtout besoin que Ekal up. J'ai surtout besoin que Ekal up. Nina, c'est dans le doute pour ressusciter. Et Kat, c'est parce que c'est la personne du groupe qui a le plus de rapidité qui attaque en premier. Voilà, Pure Blue, level up. C'est tout bénef. J'aurais pu utiliser un code, mais problème étant que c'est pas possible, enfin c'est pas très très possible. Alors je vais essayer de me repérer avec la carte, please. Ok, je suis juste, faut que j'aille encore un petit peu en bas. Ah donc les trucs blancs c'est les pancartes, ok. Bon bah on va avancer encore un peu. Et tant que je farm. Là, ah, Medius plus de vitesse que 4. Intéressant. Alors, un autre panneau. Bienvenue à Cap Ball. Balle, d'accord. N'oubliez pas de ramener quelques gâteaux de la baleine chez vous. Qu'est-ce que c'est? Des co-casques. Ok. Oula, grosse résistance déjà. Très grosse résistance. Peu de vitesse par contre. Ah ouais, ça attaque pas mal. Ah, ça a pas mal de vie quand même. Et un petit critique, comme ça. Kratos. Ah, beaucoup d'XP. Pas mal d'XP. Ah, Méduse. Et en plus, attaque surprise. Donc, combat facile. XP facile. D'accord, petite fuite. Un antidote. C'est tout bénef. Le petit poisson. Petit poisson.
contre, comment je me soigne? Grande question. Alors, la caverne de la baleine. D'accord, petite save. Ouais, je vais continuer, évidemment. Alors, je vais juste me soigner un coup. Alors, sort. Oh, j'aurais dû m'acheter des soins. J'ai pas pensé à ça. Idiot. Idiot trouduc. Alors. Achetez donc des gâteaux de la baleine. On dirait des. Pourquoi je fais un accent pareil? Honteux. Nous en mangeons tous les jours. Ouais. D'accord. Bon, je prends un. Ça va pas me servir. Oh, vous êtes les gens d'origine. Après avoir été attrapé par Trout, je pensais que tout était fini. Et grâce à vous, j'ai pu revenir chez moi. Je n'ai aucun moyen de montrer ma reconnaissance. S'il vous plaît, acceptez une excursion à Grotte B. Grotte Baleine. Peut-être, je sais pas. Sûrement. La grotte de la baleine. Ouch, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes sûr que c'est une grotte? C'est... D'accord. C'est tout branlant, ça a l'air presque cassé. Si je mets 4, est-ce qu'elle le casse tout? Ah bah oui. Oh, c'est dégueulasse. Oula. Oh, je sens que je vais avoir du mal à doubler. Oh, il pleut. Je suis vieux. Est-ce que ça va? Ouais, je pensais pas que quelqu'un viendrait de là-haut. C'est ça, faut vraiment m'emmener ici. C'est des dauphins en fait. Arbre et ton. Squeak, squeak. Seriez-vous par hasard qui est cet endroit? Je suis perdu. C'est la plus grande tribu du monde. C'est l'intérieur de la bouche d'une baleine. Cette baleine est extraordinaire. Elle peut transporter des gens à travers l'océan. Et elle comprend bien sûr l'engagement, mais dernièrement, elle fait que dormir. Et on peut même plus lui parler. C'est compliqué. J'ai essayé de la réveiller en frappant dans sa glotte. Dans sa pomme d'Adam. Sans résultat. Eh, vous voyez, Pepper a avalé cette grosse poupée de pierre. C'est vrai, c'est vrai. Il l'a avalée. On dirait Dupont et Dupont. Ah, Breton, savez-vous quelque chose? En fait, Pepper est le nom de cette baleine. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Eh, ça, c'est une poupée terrifiante. Ah, terrifiante, hein? Eh, c'est vrai, c'est vrai. Eh, la mystérieuse poupée de pierre vient d'un rêve. Dans un rêve, dans un rêve. N'est-ce pas terrifiant? Ah, terrifiant, hein? La poupée dit dans le rêve. Dors, dors. C'est ce que Papy a dit, non? Il a dit ça? Ah, il l'a dit, il l'a dit. Une poupée de pierre. Maintenant que vous le dites, je pense que je l'ai vu près de l'estomac. Mais est-ce réellement la poupée de pierre qui a fait dormir Pépère? Je mens pas. Non, je mens pas. Moi non plus. Ouais, je mens pas. Moi non plus. Je t'aime. Je ne t'aime plus, papy, d'accord. Je t'aime plus, papy. Je te laisserai plus voyager sur mon dos. Pardon, désolé. Si tu me laisses plus voyager sur ton dos, je mourrai ici. C'est vieux. En fait, Arbreton, j'aimerais retourner chez moi maintenant. Bon, je t'emmène. Vas-y, saute, papy. Merci, Arbre. Et d'accord. Et je vais me faire foutre. Je m'en vais. J'habite sur une plage à l'ouest. Vous venez me voir si vous avez des questions. Youpi. Tralala, toi de soin. D'accord. Et je fais quoi? Est-ce que... Écale, s'il te plaît. Oh, c'est la... Bon, bah, c'est le donjon. Avec Ryu en premier. Alors, donc, je suis dans le tunnel baleine. Alors, je considère qu'il faut que j'attaque ça avec 4. Zblu. Alors, magnifique animation. Hein. Très belle animation. Qualité Super NES, qu'est-ce que c'est que cette merde?
critique à 1. Donc là, mon but, c'est de faire EP et Cal aussi. C'est le but premier. C'est dégueulasse, hein. Je le redis, mais... c'est un peu... c'est un peu un truc... ça me fait penser à Alien. Peut-être que c'était pas le bon... la bonne référence, mais... ouais, c'est... Non, pas Alien. Une séquence dans Earthbound. Évidemment Super NES, hein, pas Earthbound Zero sur NES. Peut-être le combat contre Gigas qui me fait un peu penser à ça. Pas aussi extrême, mais dans l'idée. Dans l'idée, ouais, ça me fait penser au combat contre Gigas. Ou Gigas, je sais pas comment on dit. Alors... moi j'explore. Ah, c'est dégueu. Oh, un coffre, je le vois. Attaque surprise contre un séismeur. Unique. Ah, ça pique. Drainé. D'accord. Oh, absorbe les points de magie ennemie. Très intéressant. Très très intéressant ça. Un acier BR. Bouclier. Ok. Pas utile. Et encore moins utile. On va essayer d'avancer le plus loin possible. Deux magiciens. Je sais plus ce que j'ai mis comme arme sur Ika. Je crois que j'ai mis un sabre. Éclair X. Ah, manque de PM. Ils ont un sort mais pas assez de magie. Ça par contre, c'est tendu. Parce qu'un éclair X, je décède. Un dopant. J'ai un dopant. Oui. Pourquoi pas. Ah oui, j'ai chopé un rôti. Augmente l'attaque de manière temporaire. Oh, ça pourrait être utile. Je suis sur le bon chemin. Oui, je suis sur le bon chemin. Oula. Oula. Oulala. Là. Alors là, par contre, que des gens que je connais pas. Je viens de me prendre un énorme coup dans ma nuque. Donc en espérant que Ekal ne décède pas. Ça dure longtemps ces trucs. Bon, on va essayer une autre méthode. Nina, si t'as un sort, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. D'accord, elle a zéro sort, donc on va oublier. J'aimerais éviter que Ekal meure, mais ils ont combien de défense, ces merdes? Une petite esquive, ok. Mais ça a combien de défense, putain? Oh, et c'est compliqué, ça. Ok, alors on va faire autrement. Un soin sur Ekal. Ekal qui a zéro sort. Pour le moment. Zéro sort utile. Nina qui en sort. Ouais, un sort. Allez, un éclair et 4 attaques. Eh ben putain, gros sac à PV. Gros sac. Dites-moi que ça marche le sort.
On va oublier les sorts. On va oublier les sorts. Bon, l'éclair ne sert à rien. Testons le vent. Et cette critique. Attends, ça résiste. Quoi? T'as déjà l'autre. C'est de la merde. C'est de la grosse merde, ces ennemis. Ah, lame de vent, un poil plus utile. Essayons le froid aussi. Putain, 1300 XP, mais ça les vaut pas. J'ai perdu tellement de magie. J'ai perdu trop de magie sur ces trucs. Oh, mais évidemment. Bon, alors, déjà, le Bernard l'Ermite. Je vais tenter le froid sur la tête. Dis-moi que ça marche. Ouais, ça marche. C'est très... Faut le dire très vite si ça marche. Hein. À part une attaque physique qui passe, ça va. Ça donne beaucoup d'XP, mais qu'est-ce que c'est que ces Sakavi ? C'est vraiment dégueulasse, ça. Et juste devant. Juste devant. Ok, bon, ça, un tour. Puis en plus, lui, c'est du 1002 ou du 1003, je sais plus. XP. Ah bah, riposte et attaque. Terminé. Ah, du 1003. Niveau 14, oui, l'ATP. Il possède la sainte téléportation. Oh là, j'ai tellement plus de soins. J'ai tellement plus de soins. J'aurais dû prévoir ce cas de figure et acheter du soin. Oh, what? Oh, what? Oh, qu'est-ce que... Ok, il y a une porte là. Ok. Si nous frappons ça, je sens que ça s'ouvrir. Zblu. Oh mon dieu. Ouais. Ok. Alors, pour le moment, c'est pas le bon chemin. C'est dégueulasse. On dirait un petit peu les visites. Les visites du musée. Mais en vrai. Oh non, il y en a encore deux. Oh là là, il y en a encore deux. Bon, ok. J'ai fait fuite. J'ai fait fuite, c'est ce qu'il fallait pas faire. Si je m'en prends zéro dégâts, j'ai beaucoup de chance. Évidemment. Je vais en tenter. Lol, MDR. Je sais pas comment se calcule la fuite, en fait. Bah déjà qu'ils ont une grosse défense, mais leur plus de défense, t'as raison. Bon, allez, c'est foutu. Et Kyle est mort. Que j'ai bien fait de prendre Nina. Oui. Bon, et ben on va aller en haut. Ok, ça m'a pas l'air d'être bloqué ici. Mais ça a l'air d'être un labyrinthe de ses morts. Oh, ça a l'air d'être un labyrinthe nul. Oh, je le vois, je l'ai vu tellement fort celui-là. Alors, je tente un truc. On va voir si le sort de Nina est utile sur Bernard l'Ermite. Alors. J'ai regagné 0. Pourquoi pas? Ça se voit que j'ai le seum, ça s'entend peut-être. Orage. Allez, au moins un. Et même pas. Et même pas. Il défonce plus. Je te déteste. Oh, il va être compliqué ce... Oh, le soin. Le soin, c'est eux qui ont de la magie.
Bien sûr. Yeah, trop bien. Bon, on va essayer autrement. S'il reste des points de magie, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Ok, bon. Tant pis pour les points de magie. C'est horrible ces combats. C'est horrible. Ok, et là je suis où? C'est dégueulasse. Moi je continue de monter, hein. Je trace. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, alors attendez, l'architecture. L'architecture me fait penser que il va se passer quelque chose. Bon, j'estime que j'ai une équipe à peu près bien. Ça va. Ah, j'aurais dû faire drainer. Quoique, passer une magie pour un éclair X. Donc, peut-être pas la peine de drainer. Deux. Waouh. Ça pique. Ça ressemble vachement à l'endroit où devrait y avoir un boss. Ça ressemble, ça y ressemble. Hein. J'ai l'impression juste de faire. Ouais, ça y ressemble. Là, je pense qu'on y est. Ouais, là, normalement, c'est bon. Oh, fuck. Il y a des monstres sur la poupée. Puisse la personne qui me réveillera avoir beaucoup de malheur. Peu importe ce que cela puisse être. Et c'est le combat des boss. Ah, j'ai si sommeil, je ne peux pas dormir, ce n'est pas juste, alors je vais faire dormir cette baleine pour toujours. Qui êtes-vous? Vous avez l'air de n'avoir aucun souci au monde. Ah, je veux aussi vous plonger dans le sommeil pour toujours. Waouh, c'est beau. Bon. Déjà avec le dragon. Comment il s'appelle? Mumar. Ok. Nina, ma petite Nina. S'il te plaît, baisse au moins son attaque. Et Kat. Kat, t'as des sorts ultra puissants, mais pourquoi t'as pas assez de magie? Donc tu attaques. Je comprends pas. 20 de dégâts, parfait. Terreur. Allez au dodo. Alors, qui va être au sommeil? C'est une attaque de zone et ce, je parie sur au moins 3 personnes. Ça va, c'est 4. Vu qu'elle a déjà attaqué, c'est pas grave. 5. Okay. Hein? Quoi? Et... Ah, j'ai envie de... Oh, je suis pas bien là. J'ai pas envie. Non. Bon, c'est long. Au moins, celle les sorts. Et calme, s'il te plaît. Pendant que... Ah, je booste l'attaque. J'ai pas un sort attaque plus là-dedans. J'ai pas un sort attaque plus. Ah, c'est merdique, ça. Pas sur elle. Bon, flamme pour voir. 50. J'ai mal. 140 de dégâts. J'aurais dû faire ça depuis le début. Attaque au crit. Il y a un truc qui est tombé par contre, c'est pas normal. Je sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé. Je sais pas ce que t'avais comme sort, j'ai pas eu le temps de voir. Oui, alors. Sort. Qui s'est pris un maximum de dégâts déjà? C'est Nina qui s'est pris un maximum de dégâts. Et qu'elle attaque et Nina. Va soigne toi. Objet. Soin. J'ai pas juste une herbe à la con. À utiliser en combat. Est-ce que je teste ça? Moi je vais le garder. Je vais le garder quand même dans le loot. Je sais pas ce que j'ai fait. On va utiliser... Oui, bon, un soin, dans le doute, j'irai me refourguer en soin. Quoi?
Mais je souffre atrocement. Attaque 4 plutôt. Quoique 4, tu peux peut-être le one shot. Donc, l'attaque pas finalement. Agilité, non. Essaye d'éviter de mourir. Non mais attaque 4 putain. Il est con. Tiens, critique. 300 de dégâts, même pas mort. Ah, j'ai mal à mon moi, putain. J'ai mal à mon moi, putain. Ça se voit que je suis dans la merde. Je pense que ça doit se voir. Et bien sûr, attaque écale, que écale, vas-y. Meilleur plan. Meilleur plan au monde. Bon bah écoute, le temps qu'il m'attaque quelqu'un d'autre. Ryu, génial. Et ben on va essayer de protéger Ryu. Ryu, tu te soignes et toi tu attaques. Là c'est bon. Il peut crever maintenant, je tiens à le dire. Moi je voulais juste qu'il apprenne un sort. Nina. Un soin. Tant que j'ai du soin, tout va bien. T'es encore. Allez. Yes. Le critique. Oui. Putain oui. Wow, pour je ne sais quelle raison, je m'endors. Va complètement. Oh, je suis tellement content de pouvoir enfin aller dormir. Je vais tomber. Nous avons vaincu le cauchemar. Mais on ne dirait pas que Pépère se réveille. Eh ben. Ah, et là, faut faire demi-tour. Oui, voilà, c'est ce que je voudrais. Donc là, faut faire demi-tour et le frapper dans la glotte. Enfin, la pomme d'Adam où j'étais tout à l'heure. Bon. Alors, conséquence de ce combat de merde. Eh ben, c'était pas ouf. Je me fais beaucoup interrompre en ce moment. Alors, si je prends Nina que je fais sortie. Oh, le sort marche, c'est fou. Donc là, je suis juste devant. Je redescends, je vais frapper la glotte et s'il se réveille pas, je ne comprends plus. Je ne comprends plus, vraiment. On est d'accord que j'ai encore assez de magie si jamais c'est pas ça. J'ai encore assez de magie, parfait. Donc, je redescends. Voilà. On est d'accord que là, si je frappe. Yeah, c'est ça. Je suis un génie? Je pense que oui. Ok, peut-être pas trop un génie finalement. Ça s'effondre! Ça s'effondre à l'aide! Clonk, clonk, clonk. Oh non, tout se barre. La maladie est vivante et elle se casse. Elle se barre. Ah bah dégage. Ok, je... Ok, pourquoi pas. Wouh, j'ai bien dormi. Êtes-vous ceux qui m'ont réveillé? Ah merci. Ah. Ah, je vais vous faire visiter l'océan, gage de ma gratitude. Montez sur mon dos. Ah bah, vas-y.
Alors, tu devrais leur montrer Musica. Musica, ouais, ouais, Musica. Oui, Musica, c'est là que tu devrais les amener. Il y a un carnaval là-bas. Parfait. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Nous savons, oui, nous savons. Oh, j'irai partout, l'océan est mon monde. Allez, empruntez la cloche baleine au vieil homme qui habite sur la plage du côté d'ici. En fait, sonner la cloche et je serai là aussitôt. Un jour, pas plus tard. Youpi. What? Ouais, où je suis là? Oh, what? C'est une zone ça? Ah oui, la baie baleine. Oh bah, vas-y. Je pensais pas que les poissons mordent beaucoup aujourd'hui ici. Peut-être nous devrions nous installer ailleurs. J'aimerais vivre dans une ville proche de l'océan. Vous connaissez un tel endroit? Non, attends. Oh bien, je pense que je vais entreprendre un nouveau voyage pour trouver un bon point de pêche. Bah attends. Une ville près d'un océan. Bah si, la première ville là, comment elle s'appelle? Attends, je vais dire oui. Oh la vache, oui. Oh génial, vous avez une ville, emmenez-moi là-bas. Ah s'il vous plaît. Bah quoi? Bon d'accord. Ah bah le vieux, il a le vieux. Wouah, Pepper s'est réveillé, super génial. Maintenant nous pouvons de nouveau jouer avec lui. Cool. Quoi? La cloche baleine. Ah je l'ai ici. Ah si vous la faites sonner sur la plage, Pepper devrait venir à vous. Qui t'obtient la cloche baleine? Yeah. Trop bien. Eh bah tant mieux. Donc si je la fais sonner et il a disparu avec moi. Waouh. Ah bah go. Ouais, trop bien. Alors attends. Attends. Donc là, je peux explorer toutes les mers. Je peux aller jusqu'au bout de la carte. Et à moins de me faire défoncer la le gueule par des rencontres, ce qui peut arriver. Oh, regardez ça. Oh, c'est beau. J'explore un petit peu. Là, il y a un bout d'île, ok. Je regarde un peu le cadre pour éviter de me perdre. On va aller tout à l'est. Ah, c'est quoi ça? J'ai découvert un truc. La tour ciel. Ah, alors la tour ciel, qui est maintenant répertoriée sur la carte. Pas du tout. Si, elle est répertoriée. Il me semble que c'est un donjon optionnel. Ou que je vais devoir y aller à un moment. Je vais sauver. Non, attendez, je vais y aller, dans le doute. Voir ce que ça fait. Si jamais je perds combien. 6000 balles, ça va. Ok. Ok. C'est à tour ciel que le temps du monde entier est contrôlé. Nous extrayons les pierres précieuses d'ici et nous les vendons. Ok. Que voulez-vous? Ne me dérangez pas pendant que je travaille. Ok, donc c'est pas là que je dois aller pour le moment. Mais je sais où ça se trouve. Et ça, c'est important. Là, j'ai encore 20 minutes. En 20 minutes, on va essayer d'avancer un peu. Explorer les mers. Ah, bah tiens, c'est là où je dois aller. Bah c'est complètement là où je dois aller. Bah parfait. Je vais faire le tour histoire de cartographier ça au max. Ouais, c'est ça. C'est complètement là où je dois aller et c'était Keblo par la montagne. Ok, et ben parfait. En tous goopy, c'est fou. Bon. Trouver une plage. Ah, j'ai pas accès au menu par contre. Trouver une plage. Oui. Alors, Bah non, pas là, parce qu'il y a la forêt. Ah.
Alors là, ouais, alors là, je suis bloqué, je pense. Ah si, pourtant là il y a un bout de forêt. Ah, peut-être sur l'autre côté. J'allais penser de l'autre côté peut-être. Alors, j'ai peut-être loupé des coffres dans la caverne de baleine. Hein. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il n'y avait rien de très très. Ah non, mais comment je. Ah, faut que j'utilise botch peut-être. À essayer, à essayer. Je vais retourner dans une ville quelque part. Pas sur la ville la plus proche. Là, il y a une ville proche. Zéro ville proche, donc on va aller plus loin. J'aime beaucoup cette musique, cependant. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Il me semble que vers la première ville, il y a une plage. Ce qui va être très très utile. Ah, impeccable. Donc du coup là, hop, Pepperisper. Je vais me soigner, sauvegarder. Puis en plus, ça coûte pas cher. Bienvenue à l'hôtel, le prix de 10 balles. Ouah, ça va, 10 balles. Oui. Impec. Hop, oui. Ensuite, je vais prendre Botch. Je pense que bah, je dois quand même pouvoir aller dans la forêt. S'il va pas dans la forêt, c'est qu'il y a problème. Alors, je vais changer. On va garder Cal, on va garder Nina et on va prendre Botch qui n'a pas beaucoup de points de vie. Et la petite save. Surtout la save. Oui, le voyage. Soyez prudent. On sort et puis on retourne. Je vais mettre Botch, par contre. Encore un peu. Voilà. Là, j'estime que Botch doit quand même pouvoir traverser la forêt. Si c'est pas ça, eh ben ce sera la Solus. Hein, la fameuse. Que l'on aime. Ça met nous, ça. What? Attendez, attendez, attendez. Y a quelque chose ici. Je découvre. Oula, le jeu. Oula, le jeu a ramé. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Je ne connais pas cette zone et peut-être que j'aurais peut-être pas dû venir. Je pense que j'aurais peut-être pas dû venir. Aurais-je dû venir? Je ne pense pas. Et qu'elle va mourir. Ah, puis zombie aussi. Puis zombie à gros dégâts. Poison, gros dégâts. Ok, zombie, poison, gros dégâts. Je pense que. Ouais, j'aurais peut-être pas dû venir. J'ai mal. J'ai très très mal et je vais peut-être crever. Mais au moins, je saurai à quoi m'attendre la prochaine fois. Putain, critique! 2000 d'XP. Oula, oui. Je sais pas où je suis. Je pense que cette zone est optionnelle. Antipoids sur les deux. Je regarde juste ce que c'est. J'ai pas de. Non, j'ai pas d'info sur cette zone. Sur la carte. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas alors. Le mont Maori. Je pense que j'aurais peut-être pas dû venir. Ouh là là, ça par contre, c'est un très bon endroit pour XP, mais je pense que je devrais peut-être pas être là. Ah ben, le maître est le meilleur magicien du monde entier, mais pour quelque raison, il est sur cette île. Bah d'accord. Et bah ok. Et ben je n'en saurais pas plus. Ah! Je sais. Il faut que j'ai Stain avec moi. Il faut que j'ai Stain avec moi. Et ben du coup, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que cet endroit pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. Il faudrait que je vois si vraiment je dois avoir Stain dans mon équipe. Du coup, merci à tous et à toutes d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est.
On est sur à peu près 40 minutes, mais ça peut être bien, surtout que beaucoup de criminologie sort, un petit peu de Brief of Fire. Ça fait pas de mal, surtout pour moi. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas tout ce qui est like, commentaire, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos. Je suis actif sur Twitter et Instagram où je poste souvent des nouvelles sur l'avancement des vidéos. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Brief of Fire 2.